voilà le chant du capuçon à damier. Je vous montre ça vite fait puisqu'il chante, il est devant moi. Vous voyez, il a un chant magnifique. C'est vraiment un chant d'appel quoi. Ouais. Voilà, il est là, il est tout beau. Alors, à damier bien sûr, parce que il a vraiment comme un damier sous la poitrine. Je vais essayer de vous faire un peu mieux la vidéo, attendez. Hop. Alors, pour ceux qui aiment bien, hein, regardez comment il est beau. Il ressemble vraiment à un mono du Japon, mais voilà, en fait il a les couleurs en dessous dans tout ce qui est dans les plumages de poitrine, donc ça le change, mais il ressemble énormément à un mono du Japon. Donc c'est trompeur pour ceux qui ne sont pas habitués à le connaître, qui ne le connaissent pas comme, comme oiseau exotique. Donc j'aimerais bien qu'il rechante pour que vous voyez comment il se met. Il se met en position, on dirait un peu une poule. Ouais. Donc là, il va se cacher, il ne se sent pas très bien, c'est normal. Et là, il y a le téléphone en plein milieu de. Donc, c'est pas trop de faire peur quand même. Hein. Voilà. Et voilà. Alors il est tout seul, hein. Je cherche une femelle. Si quelqu'un voit cette vidéo et veut faire un appel sur un commentaire, n'hésitez pas, je suis prêt à aller le chercher. Ou aller la chercher. Voilà. Il est tout seul mon petit. J'aimerais bien lui trouver une femelle. Oui, il est beau comme tout. Oui, il chante très très bien, c'est un chant d'appel. Hein. Là, c'est pour appeler la femelle, hein. Ça c'est clair. Donc le voilà. Bah, je vous remercie pour la petite vidéo et puis... n'hésitez pas à linker et puis si, comme je vous dis, si vous connaissez quelqu'un qui a une femelle ou un couple, je suis prêt à les acheter. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous, bisous.